vis au rythme du marché. Je speed le matin là. J'ai toujours peur d'être à la bourre. Hein, et bon, faut faire les courgettes, faut charger, je vais pas dormir la nuit, alors ouais, ça va. Sur un marché, en fait, le plus dur, c'est d'y rentrer. Ceux qui n'ont pas de place vont au tirage au sort. Si le placier ne vous trouve pas de place, là, c'est vraiment embêtant. Hein. Voilà, tirage terminé. Il faut se débrouiller après à pouvoir écouler ses produits pour pas perdre. Quoi. Je mange tout. Courgette. Courgette, radis, Et c'est varié aujourd'hui, je devrais vendre. C'est quand c'est pas varié qu'on en vend moins, quoi. Bonjour. Courgette, un radis, une salade. Radis, salade. T'as plus de fraises ? Non. J'en ai, mais sont réservés là. Et ouais, c'est fini. Ouais, c'est pas possible, hein. Ça peut pas fonctionner comme ça. On s'était dit, l'année prochaine, on en met à l'autre terrain pour voir ce que ça donne. Au début, j'étais tout seul, moi, sur le marché. Après, Brigitte est venue, ça a mis un plus. J'ai une commande d'Agnès. Parce que, bon, elle a quand même plus le contact que moi. Il n'y a pas de requête. Non. La semaine prochaine, sûr, ça y est. Là, elle est comme ça, elle est presque prête. Et les tomates? Les tomates sont comme ça. On a voulu faire des courgettes de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, mais parce que c'est joli aussi, quoi. Même pour nous, pour le ramassage, c'est un plaisir d'aller ramasser des légumes qui sont colorés, voilà, quoi. Après, on les présente aussi sur l'étal et les gens réagissent aussi, donc voilà, quoi. Et ils sont épatés par les couleurs, quoi. Ils disent ouais, c'est super, c'est joli, toutes ces couleurs. C'est aussi bien pour nous que pour les clients. Il faut que nous, ça nous plaise, qu'on ait envie de le faire, qu'on se régale de passer d'un légume vert à un légume jaune, après rouge, enfin qu'il y ait de la diversité aussi pour nous. Et on essaye de choisir des variétés qui sortent un peu du conventionnel. Parce que au supermarché, tu ne trouves que des Batavia blondes et rouges. De temps en temps, on essaye un nouveau truc. Les vieilles variétés, surtout. Et puis bon, il y en a qu'on refait, il y en a qu'on refait pas, parce que c'est pas... Celle-là, c'est grenobloise. Et bien, t'as vu, elle est jolie, hein. Bon, des fois, ça abîme un peu à l'intérieur. Moi, je me régale de surprendre les clients qui me disent « Ah, aujourd'hui, cette semaine, était différent. » Ça avait un goût de fenouil, l'autre semaine ça avait un autre goût. Enfin, parce que selon ce que je ramasse, il y a un parfum qui domine. Quoi. Et c'est vrai que le fait de travailler à deux comme ça, là, de ne pas avoir de personnel, d'ouvrier, ça permet aussi de travailler un peu à son rythme. Hein. Parce que. Surtout toi. Non, mais oui, surtout moi, je vais le dire. Financièrement, quoi, c'est là où tu valorises le plus ton produit, quoi. Tu le vendras plus cher quand tu es en vente directe, enfin le meilleur prix que si tu dois le vendre en gros à un grossiste.
Bon, ben, le grossiste, même en bio, hein, ils essayent de te le prendre au plus bas prix, quoi. Bon, c'est vrai que c'était l'opportunité avec toi, le fait que tu fasses les marchés, mais aussi, nous, on ne se voyait pas faire de l'agriculture pour vendre chez des grossistes. Ouais. Moi, ça m'aurait... ça aurait été dur, quoi, de voir arriver un énorme camion là, qui te charge tes légumes et qui ne sait même pas ce qu'il charge, tu vois. Bon, non, ça aurait été triste, ça. Là, je me régale de parler aux gens de ce que j'ai fait, et voilà. Je leur dis, je leur raconte l'histoire du légume, presque. Combien de kilos il faut en prendre en tout? Ouais, il faut en prendre 150 chacun. Bertrand, il en voudrait peut-être 50. Hein. Tu l'as eu au téléphone, au fait, hein? Mathias, les betteraves, on lui prend toute l'année, mais il est envahi de betteraves, quoi. Il est réussi bien, donc il est intéressé pour nous les vendre. En fait, c'est une sorte d'entraide, quoi. Ça va? Le massé, il y a quoi? Non, c'est bien Zidi, ouais. Non, la Cuma. Ah ouais, la Cuma, ouais. La Cuma 2. Bio Farki. Ah ouais. Combien j'en prends moi? 5, je pense. Ouais. On a des caisses avec les betteraves. Ouais. Je te paye maintenant, non? Nous, quand on a un légume en trop, par exemple, ça peut être melon ou enfin, je sais pas, autre chose, ou salade, hein, lui, il peut aussi nous en acheter, quoi. Ça permet à chacun de pouvoir vendre sa production sans avoir de perte. Mais même au niveau germination, tu vois, c'est pas ça, quoi. Je comprends rien, regarde. C'est les mêmes graines de côté. C'est un musquet de Provence. Non, ce n'est pas les mêmes. Eh bien, c'est des graines qui sont mortes. Hein. Mais moi aussi, ça m'est arrivé là sur deux plateaux. Mais c'est en neuf, je les ai commandés cette année. Ouais, mais c'est le germe naturel, et tu te fais rembourser. À fond, ouais. Ouais. C'est pas la première fois, hein. J'ai plein de semences comme ça. Ouais, et bien il te faut... Sur une salade, zéro germination. Ça m'est arrivé déjà, et j'ai eu des avoirs. Hein. Ils discutent pas trop. En général, parce qu'ils savent que ça arrive. Ils le savent, de toute façon, je leur renvoie le reste. Hein. T'as fait les oignons, c'est bon? C'est le temps? Ouais, c'est bon. On essaie d'avoir un éventail de produits assez intéressant. Alors quand on peut le produire, c'est bien. Quand on n'a pas tout, ben, c'est bien aussi de s'entraider entre maraîchers, en bio bien sûr. Alors attendez, je prends les courgettes d'abord. Il y a des bordes là. Voilà, attends, c'est bête, multiplié par deux. Combien font les radis? Combien font les radis? 1,50. Courgettes, ne vous moquez pas. Salade, multiplié par deux. Elles sont douces, oui. Ah, oui. Je les ai ramassées hier après-midi. Elles sont 9,30, oignons et une salade. J'ai besoin de ça, quoi, qu'on vienne voir un peu sur le terrain ce qui se passe et tout. Et là, je suis frustrée. C'est terrible. Vraiment, ce qu'on cherche, c'est trouver un terrain agricole. Et là, on mettrait, tu vois, je sais pas, même un chalet s'il faut, et puis un hangar, et puis... Et puis que voilà, qu'on puisse faire porte ouverte et que les gens puissent venir, que ça discute, que ça puisse. Voilà, parce que c'est vrai que sur le marché, c'est. Tu vois, bon, encore aujourd'hui ça va, on peut discuter, mais bien souvent c'est. Tu es là, tu stresses et tout. Vous n'avez plus de roquettes? Ah oui, vous êtes sur un projet. Non, la semaine prochaine il y en aura. Mais par contre, il n'y aura pas des quantités énormes en roquettes. Donc essayez de venir un peu plus tôt. Ou alors je vous la mets de côté. Si vous êtes sûr de passer, je. Bon. Vaut mieux pas. Bon. Oui, d'accord. Radis. Et je prends une salade. La cressonnette est bonne. La cressonnette du Maroc, celle qui a les feuilles longues là. Ah oui. Et une cébette.
ça c'est bon. Bon. Ça vous fait 8,70. Bon, alors pour la roquette, pire, je vous dis, vous me appelez la veille et on vous le met de côté. Hein, si... je passerai. Oui. Bonne journée. Ouais. Quelle heure il est là? Peut-être. 11h20. On n'a plus rien. Oh, mais en plus, on n'avait pas grand-chose, quoi. C'est ça qui est. C'était un marché où en fait on a vendu tout ce qu'il fallait vendre. On ramène que des pommes de terre, des betteraves et des oignons, donc c'est pas de salade, pas de mesclum, rien qui périt, je veux dire, c'est impeccable. Si on le découpe à moitié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, avec 6 légumes, on fait la moitié du chiffre d'affaires. Et ce qu'on vend le plus, bien sûr, c'est la salade. Et il ne faut surtout pas qu'on arrive à un marché sans salade. Et puis après, il y a tous les légumes qui rapportent un peu moins. Il y en a peut-être pas loin d'une trentaine. Hein. Les clients qui nous disent que c'est bon, qui nous remercient, qui en fait c'est touchant quoi. Mine de rien, c'est pas grand chose hein, quand il est comme ça, comme on peut penser, mais nous ça nous. Ça nous stimule. Hein, ouais, ça nous stimule quoi. C'est... Il y a certains clients qui carrément vont même pas chercher à aller ailleurs quoi. C'est, bon, je te dis, tu les nourris quoi. Ça, c'est il y a quelque chose de beau là-dedans. Alors notre projet, ce serait de monter notre exploitation sur un terrain qui nous appartiendrait, parce que c'est vrai que sur le marché, c'est rapide. Quoi. On est obligé de faire bref parce que les gens attendent. Et voilà, quoi. Donc là, ça permettrait vraiment de faire rentrer les gens un peu plus chez nous, voir en amont le travail qui s'effectue. Quoi.